Salut à toutes et à tous, c'est Conseil d'Outlem. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pas pour un let's play ni une démo. Non, nous nous retrouvons pour une vidéo assez spéciale, pour un tuto sur les thèmes. Parce qu'il y a une boutique de thèmes qui a ouvert il y a pas loin de... Bon, il y a quelques temps quand même déjà. Donc au début, le menu home, il est comme ça. Et après, vous avez choix de plusieurs thèmes déjà. Et après, vous pouvez en acheter, bien sûr. Donc là, par exemple, il y a thème simplement en noir, en simple en noir. Et ça devient en noir. Ensuite, on peut rechanger de thème. Là, il y a ensuite en rose. Donc, il y a en rose. Le prochain, c'est jaune. Ok. Ensuite, en bleu. Ok. Ensuite, je crois que c'est la dernière couleur qu'il va y avoir là. En rouge. Voilà, en rouge. Et maintenant, et ben ici, il y a d'autres thèmes plus personnalisés, on va dire. Et en fait, c'est des thèmes qu'on peut acheter. Normalement, c'est entre 2 et... Entre 1 et 2 euros. Entre 99 centimes et 1,99 €. Et il y en a même gratuit. Alors, l'autre jour, quand c'est sorti, je me suis acheté un comme ça. Complètement Mario. Ça charge parce que vu que c'est personnalisé, ça charge un petit peu plus de temps. Voilà, complètement Mario. Donc voilà, il y a des Mario et sa tête en haut et en bas. Il y a plusieurs petites icônes. Il y a soit des étoiles, des têtes de Mario, des blocs point d'interrogation et parfois des petits champignons. Un up. Voilà. Et les petits menus, ils sont en les petites icônes en bas, les petits fichiers, ils sont en salopette de Mario. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà, en salopette de Mario. Donc c'est assez marrant. Et aussi, tout à l'heure, il y avait une... aujourd'hui, hein, on est le 22 novembre 2014. Donc... il y a eu une mise à jour de la boutique de thèmes. Et il y avait pour la sortie du jeu Sonic Boom, l'ascension de l'Eric sur Wii U et le cristal brisé sur 3DS, il y a eu un thème Sonic Boom gratuit. Donc je me le suis téléchargé tout à l'heure. Et ça fait comme ça. Avec la petite musique qui va avec, c'est assez sympa, je devrais dire. Ça charge aussi parce que c'est personnalisé. Voilà, ça fait comme ça. Sonic Boom. Alors, je suis très contente de ce thème. Voilà, ça fait comme ça. Bon, avec Sonic, Amy, l'ami de Amy, je ne sais pas comment elle s'appelle, Tails et Knuckles. Et un fond très joli derrière. Et les petites icônes de... Le fichier, elles sont en petits rouages jaunes dans un fond bleu, comme ça là. Donc c'est très sympa. Et donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur les thèmes. Donc j'en ai pas téléchargé beaucoup parce que bientôt, dans un mois, ouais. Vers les périodes des fêtes de fin d'année, vers Noël à peu près, j'aurai une autre 3DS. Donc j'en charge pas beaucoup des thèmes là-dessus. Donc parce que celle-là, ce sera exclusivement, pas pour le moment, hein, mais à partir de Noël, ce sera une 3DS avec que des petits... Comment dire ça? Une 3DS où en fait, il va y avoir tous les jeux Nintendo eShop dessus. J'ai commencé à me faire plein de fichiers. Regardez, là par exemple, là il y a le fichier
inutile pour moi. Information, truc de musique, tête, tout ça là. C'est inutile parce que je joue jamais avec. Cuisine, je me suis mis Cooking Mama Fort pour quelqu'un qui voulait ma DS. Donc quelqu'un qui voulait ma DS. Et puis je voulais l'essayer parce que j'ai joué un peu à Cooking Mama. Et puis ça me tenait mon attention, on va dire. Là, il y a casse-tête. J'ai Pull Blocks, Fall Blocks, une pause avec des jeux indémodables. Pokémon, j'ai Trading Card Game, Pokédex 3D, Pokédex 3D Pro, Pokémon Link Battle, Radar Pokémon. Là, il y a fichier Mario, avec pause Dr. Mario, Super Mario 3D Land, Mario et Donkey Kong Mini Zone 2 Move, Mario Bros sur NES. Rythme, je me suis pris Armored Knight. Zelda, j'ai pris le premier Zelda de NES. Les Zelda Four Shore Adventure. Démo, là j'ai plein de démos que je dois vous faire en vidéo. Et là, Kid Icarus. C'est la série Kid Icarus. Là j'ai 3D classique Kid Icarus. Et voilà, et puis je ferai des vidéos de temps en temps pour pour vous montrer un peu les thèmes que j'ai achetés, voilà. Donc normalement, après les périodes de fêtes de Noël, je vous referai une petite vidéo sur les thèmes parce qu'il y en a trois qui me plaisent particulièrement. Donc je les mettrai directement sur ma nouvelle 3D. Et puis en même temps, je vous ferai une présentation de ma nouvelle 3D. À la prochaine. Merci d'avoir regardé. Bien, à bientôt. Salut.